comme on dit, qu'on retrouve aujourd'hui dans cette charmante ville donc, de Martinval, donc dans une étape 100% manchoise, avec bien sûr, nous avons eu le départ donc, à Gouville-sur-Mer ce matin, et cet après-midi, l'arrivée dans cette commune de Martinval, où les coureurs auront deux tours, Damien. Oui, le plaisir de saluer également toute la communauté d'agglomération du Cotentin, qui nous accueille donc à l'occasion de ce rendez-vous de la sixième étape. Martinval, donc festivité qui passe parmi vous pour la vente des crêpes hein, tout au long de la ligne d'arrivée, donc n'hésitez pas à demander donc que des crêpes sont très bonnes, avec bien sûr avant le passage des coureurs et la caravane publicitaire qu'on va retrouver dans quelques minutes. Tout autour donc de l'hippodrome, avec trois tours à effectuer. Et là, on a des informations, Damien, sur l'avant de l'épreuve. Ouais, nouvelle attaque en tête de peloton. Un coureur qui est sorti à l'instant, c'est Michel Schlegel, le coureur de République tchèque qui porte les couleurs de l'équipe Elkov, qui a été pointé. Le peloton est pourtant en train de rouler maintenant, on le voit de plus en plus vite. Une étape longue de 169 500 km, avec bien sûr ces derniers kilomètres. Et pas de changement, toujours l'écart, 10 secondes à la faveur des deux hommes de tête à quelques kilomètres de l'arrivée. En tout cas, c'est toute son équipe, effectivement, ici à Martinval, qui ont mis les petits plats dans les grands, aux côtés d'Arnaud Anquil, également à nos côtés. Arnaud, c'est la deuxième fois que le Tour de Normandie s'arrête ici à Martinval, et je crois qu'on peut dire qu'on est très très bien. Le voilà, ouais, le dernier kilomètre, ouais. La groupée, la flamme rouge, on l'a aperçu, mon cher Patrick, il y a un instant, sur les images à notre disposition, on va maintenant rester concentré avec ce peloton groupé donc, qui va se disputer le gain de cette sixième étape au sprint, mais ce sera un sprint en côte. Voilà, le sprint est lancé maintenant, et ça va être une course de puncher dans le final ici à Martinval, qui va s'imposer donc au terme des 160 km de cette sixième étape. La réponse dans quelques instants. Eh bien, quel final ici à Martinval! Voilà, les coureurs sont là maintenant, elle arrive en solitaire!
l'arrivée en solitaire de la formation du Team Coop et la victoire à qui appartient tout simplement le succès pour la formation du Team Coop, la victoire de Trond Håkon Trondsen. Voilà le sprinter du Team Coop qui remporte donc la sixième étape du Tour de Normandie avec la victoire de Håkon Trondsen, le coureur norvégien, le classement final et le top 5. Victoire donc de Håkon Trondsen, le porteur du Dossard 33, Håkon Trondsen qui représente la formation Team Coop, coureur norvégien. Vision de ce protocole aux côtés des élus et des représentants des... Et les applaudissements du public de Martinvaux pour Håkon Trondsen, le norvégien, donc grand bonhomme de cette sixième étape du Tour de Normandie, vainqueur au sprint ici dans cette montée d'arrivée. Et quelle belle performance de la part de ce jeune coureur qui est un spécialiste du sprint, coureur plein de talent. Félicité également par Arnaud Anquetil et Jean-Noël Collin. On peut le raccompagner par de derniers applaudissements, le vainqueur de l'étape. Et Forfang. Olé Forfang, félicité par Madame Nicole Pitron. Simone Requita, félicité par Jean-Pierre Bider qui vous trouvez donc sur ce quart podium avec donc Monsieur Jacques Marie, Monsieur le maire, donc qui va maintenant rejoindre. Donnez-le un petit mot. Nous de vous revoir pour la deuxième fois puisque vous étiez là il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus d'ailleurs. Cette fois-ci sous le soleil et donc c'était une superbe journée avec un beau spectacle de la part des coureurs et je vous en remercie. Et quelle journée aujourd'hui, on l'a vu, hein, que bien sûr la bagarre tout au long de la journée et le public était très nombreux tout au long de ce circuit final de 20 km. Voilà, donc un grand merci donc à la ville de Martinvaux, qu'on peut applaudir bien sûr avec monsieur le maire et toute son équipe également. On a vu de tous les bénévoles qui étaient présents tout au long de ce circuit de 20 km hein, avec cette charmante ville qui nous accueille aujourd'hui, avec bien sûr monsieur le maire, à ce côté également.